Coucou YouTube, est-ce que tu as vu la nouvelle arme? Le monteur Didier va te la montrer. Hein? Montre-le en cul Didier. Je vais te marave chaud. Mais j'ai fait une petite win avec, mais attention, il n'y aura pas de bouclier dans cette game. Il y aura juste des bâtons avec. Bon visionnage. Ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant un défi proposé par le Lord en personne Show Rush 1. Si le YouTube atteint 100 000 abonnés, il organisera une soirée avec Didier, le monteur du YouTube. En regardant de plus près les statistiques, vous êtes seulement 38,4% à être abonné pendant la lecture de la vidéo. Quand vous entendez la sirène, toute personne non abonnée sera en danger. Les services de police, d'incendie et d'urgence médicale seront suspendus jusqu'à obtention des 100 000 abonnés. Que Dieu bénisse les nouveaux abonnés du YouTube, la France et le Lord. Que Dieu soit avec vous. Allez, go hôpital. Let's go. Je pense que on va la jouer sport les gars, on va acheter la crique direct et on va essayer de trouver des gens, ça pourrait être marrant. Putain, je savais qu'il y avait plein de monde mais j'imaginais pas à ce point. Hein. Vous avez vu tout le monde qu'il y a? Ah. Sympa. Ok, on va tester le recul. Ok, y a pas de recul. Vous voulez que je vous remonte l'animation? Tu vois? Je trouve ça stylé, mais un peu dégueulasse. Genre, je trouve pas ça si stylé que ça, tu vois. Voilà, je voulais vous en parler. Genre, ça vaut pas 24€ les gars. Genre en fait, c'est bien mais pas ouf. Je comprends le délire mais voilà, c'est normal quoi. Voilà. Du coup, je cours avec cette arme, les gars, on la teste. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Quoi? Ok, il y a un mec là-bas aussi. Elle a l'air injouable. Si, regarde, je fais des kills avec. Ouais, facile en plus. Non, regarde, maintenant que la zone est clear, je vais vous faire des tests. Regardez, là je vais tirer sans compenser. Ok. En compensant, on va viser le cœur. Elle a du recul, c'est pas la meilleure arme, mais je l'ai pas encore bien équipée quoi. Elle a le premier canon. Il y a plein de choses qui vont pas les gars. Il y a plein de choses qui vont pas encore. Mec, les zombies, je pense que je peux les tabasser au bâton. Si je leur fous des grands coups de bâton à travers la gueule. Hein.
Là, je m'engage dans un combat un peu rustique. C'est la rue, les gars. C'est la rue. Il y avait un mec parmi tous ces zombies, les gars, j'avais pas tilté. Merde, je suis mort pile au moment où... Merde. Ah là, je suis mort au mauvais moment, les gars. Éliminez-les ou capturez l'objectif. Je sais, j'ai pas de bouclier. C'est pareil, j'ai des bâtons, les gars. Il vaut mieux avoir des bâtons qu'un bouclier, des fois. Mon ennemi au-dessus. Attention, le gaz se rapproche. C'est tellement satisfaisant, par contre. C'est fantastique. Bon, au niveau arme, j'ai déjà vu mieux, tu vois. On va pas se mentir. Mais sinon, au top. Hein. Genre, par contre, tu vois, là, j'ai sauté sur le mec. Si tu mets quelques headshots, le mec il tombe en giga speed. Hein. Oh ouais, bah là on la joue un peu sauvage, les gars. À l'ancienne. Tu peux remontrer l'animation de l'arme? Ouais, les gars. C'est une arme volante. Là-bas, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. On peut se balader. On peut se balader, aller voir un peu ce qu'il y a. Moi, je sais pas, il y a un truc qui me dérange un peu, tu vois. Je sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de bleu sur l'arme ou quoi. Je sais pas, il y a un truc qui me chagrine un peu. Pourquoi il y a des voitures arrêtées partout là? Qu'est-ce que c'est que ce pangolin, les gars? Oh merde. J'ai oublié que j'avais pas de bouclier. Maître Ciao. Ah mais quand t'oublies que t'as un bouclier et que tu drops devant un mec, t'es dans la merde, les gars. On va pas se mentir. Moi, je pensais que j'allais clapser sur cette erreur. Mais ça s'est bien passé. Brisage de mâchoire. Y'a un mec juste là. Il vient d'acheter un drone. Je pense qu'il va vouloir me challenge. Non. Il est juste caché. Il est juste caché, il a fait ses kills en mode sneaky pute. Maintenant il bouge plus. Hop, on va aller prendre cette prime, les gars, on va voir où est-ce que ça nous amène. Parce que c'est pas parce qu'on a juste des bâtons et une prig, les gars, qu'on doit arrêter de slayer. Hors de question même. Par contre, gros point positif de Storm, les mecs, elle est légère. Malgré que j'ai 60 balles, que je l'ai plutôt bien équipée, elle est giga légère l'arme. Un truc de fou. Un truc de fou. Et ça, les gars, honnêtement, c'est plaisant. Éliminez-moi ces enfoirés. En le volant. Oui, d'accord, simplé. T'as une FFR et un car.
Tu perds ton duel, je cheat. Hein. Ouais. On vient donc d'affronter Simplay, chat. Là, j'essaie de repérer en troisième personne où est-ce qu'il est le mec. Il va devoir dans tous les cas, là, il va devoir avancer. Soit il court sur la gauche. Par contre, je sais pas si vous avez... Est-ce que vous comprenez, les gars, à quel point je me déplace quand je tire? Regardez. Je me déplace à fond, les gars. Je me déplace encore plus, limite plus rapidement qu'en sprintant. Plus rien. Ça hit à mort. Hein. Après, ça hit à mort, mais je me déplace beaucoup. Je sais pas, je suis plutôt tolérant avec cette arme. Joli pas chassé. 34 000. En vrai, je pourrais m'acheter un bouclier, les gars. Ça pourrait être pas mal. Ou sinon, on finit la game juste au bâton, en mode un peu challenge. T'as plus de sous qu'en pillage. Putain. J'espère juste qu'il y a personne ici qui campe. Dispositif de reconnaissance activé. Un drone arrive sur zone. Le classique, les gars. Ok, alors ça dit quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre là-bas? J'ai cru voir un... Regardez là, les gars. Il y a un point ici, sur le bord de map. Mais quel genre de fils de pute faut être pour camper ici? C'est horrible. Un joueur Fortnite? Ouais, y'a moyen. Ah? On a une voiture qui est venue nous voir. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire à cette voiture? Qu'est-ce qu'il fait cet enculé, les gars? Il était pas mauvais. Hein. Il était pas mauvais, lui. J'avais baisé ce mec là-bas. Le mec est allongé à côté d'un quad, les gars. Soit il monte sur le quad, soit il crève là, non? Me dis pas qu'il est mort comme ça. C'est un fantôme, du coup en me rapprochant, je le vois plus. Quel fils de pute!
Il y a toute cette zone, c'est dangereux. Du coup, moi, je vais plutôt rester dans, vers l'open field. C'est là que j'aurai le plus de chances de m'en sortir avec juste mon unique arme et mon bâton. Ok, on a deux points ici. Moi, je suis une troisième personne, c'est-à-dire qu'il nous manque plus que deux infos, chat, et on a absolument toutes les infos. C'est plutôt cool. Faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas des mecs allongés, des trucs comme ça. C'est un peu mes bêtes noires, ces mecs-là, moi. Je l'ai attaqué hier, elle, le mec. Tremble un peu les gars, mais c'est pas grave. Et hop là, c'est réglé. Oui. Y'a pas besoin de bouclier les gars pour gagner. Une arme ça suffit. Merci Mousse pour les 5 subs. Une arme et une victoire, chat. Deuxième win de la journée.